السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة غادي نحاول نديرو التصحيح ديال امتحان التعليم تخصص فرنسية ثانوي بالنسبة لهاد الدورة الاستثنائية الأخيرة ديال أبريل ألفين أو ربعة أو عشرين إذا عطاوهم واحد نص الانطلاق اللي هو مأخوذ من من ديال إيميل زولا كي تيكخي ميل لا ستيام شاب لا ستيام باختي شابيتخو أن دونك بالنسبة لهاد النص هذا اللي واحد خمسة وربعين سؤال غادي نحاول نديروهم في هاد لابارتي نصيح نكملو الأسئلة الأخرين في لابارتي أخرى ما غاديش نعطيكم نبقاو نعطيكم لي سورس ولا التعديل في هاد ال... لي كيسيون هادو لي غيبونس اللي بغا التعديل ديال شي سؤال ولا شي جواب عفوا من المناقشة ديالو ولا لا سورس يكتبها ليا في كومنتير وأنا غادي نحط ليه التعليل ديال الإجابات اللي أنا اختاريت دونك أول سؤال هو كيل جون رومانيس كابارتيان سو تيكست الإجابة الصحيحة هي يس... هي أ Le naturalisme, Bathébal Anna Zola, c'est un écrivain naturaliste qui fait partie du courant naturaliste, donc ce texte euh, appartient au genre romanesque naturaliste. Pour la question 2, quel événement majeur se produit dans cet extrait de Germina Zola l'événement principal de l'extrait est la répression violente d'une grève par les soldats. Sur théâtre du quel type de scène s'agit-il dans ce texte, c'est une scène dramatique des JavaScale et 4. Quel temps verbal est utilisé pour décrire une action en cours dans le passé, créant un, un, un arrière-plan pour d'autres actions Donc, Anna, c'est l'imparfait. La réponse correcte, c'est la réponse B. Suel, comment réagit Étienne Lantier face à la mort de Mahue Donc, c'est la réponse D qui est correcte. Il ressent une profonde culpabilité. Si impact quel impact la mort de Mahu, a-t-il sur la plupartité d'Étienne parmi ses camarades Donc euh, la réponse correcte est la réponse D, c'est sa popularité diminue. La question se bat, pourquoi Étienne se promène-t-il dans la rue de Coran après la mort de Mahu C'est pour éviter le regard accusateur des autres. La question 8, comment la communauté réagit-il envers Étienne après la mort de Mahu donc la réponse correcte est la réponse D, les gens le regardent avec colère et suspicion. Pour la question 9, comment évolue la relation d'Étienne avec sa propre conscience après la mort de Mahut La réponse correcte est la réponse C, il devient plus conscient de sa responsabilité. La question 10, pourquoi la Mahut est-elle en colère La réponse correcte c'est la réponse C, en raison de chômage et de la misère. Pour la réponse... Pour la question pardon, 11, que reproche la Mahud à Catherine, sa fille dans la scène Et la réponse correcte, c'est la réponse A Catherine veut retourner travailler au Vauru. Ce quelle est la menace que la Mahud profère envers euh, ses enfants La réponse correcte, c'est la réponse B il menace de les priver de le nourriture. Pour la question 13, comment la Mahud réagit-elle à la proposition de Catherine la réponse correcte, c'est la réponse C. Et elle s'oppose fortement à cette idée. Pour la question 14, quel sentiment la Mahut exprime-t-il envers la compagnie d'Emen La réponse correcte, c'est la réponse B, colère et suspicion. Pour la question 15, quel est le temps général de la réaction de la Mahut face à sa condition La réponse correcte, c'est la réponse C, résignation. La question 16, quel argument la Mahut utilise-t-il pour justifier sa position la réponse correcte, c'est la réponse C, la solitude entre les travailleurs. C'est l'argument que la Mahoud utilise. Pour la question 17, comment la Mahoud présente t il sa situation personnelle pour renforcer son argument Donc, c'est la réponse D qui est correcte en soulignant les souffrances de sa famille. Pour la question 18, quel aspect économique la met-elle en avant pour appuyer sa position La réponse correcte, c'est la réponse C, l'exploitation des travailleurs. Pour la réponse, la question 19, comment la Mahoud exprime t il son désert de changement social dans ses arguments La réponse correcte, c'est la réponse C en appelant à la révolution sociale. Quelle est la modalité dominante dans le discours de la Mahoud Donc, c'est la, la modalité de la certitude. Pour la réponse, pour la question pardon, 21, par quel moyen la colère de la Mahoud est-elle exprimée dans le texte C'est pas l'emploi des mots forts et véhéments. La réponse correcte, c'est la réponse C. Pour la question 22, quel sentiment prédomène dans le, les paroles de la Mahut C'est le sentiment de la colère. Quel est le son ou bien le ton général utilisé par Zola pour exprimer la colère de la Mahut C'est la, la réponse C qui est correcte, c'est le ton ou bien la tonalité ou bien le registre littéraire tragique. Pour la réponse, euh, la question pardon, euh, 24, quel sentiment prédomène chez les mineurs envers l'engagement après la fusillade Donc la réponse correcte, c'est la réponse C, et c'est le sentiment de résignation et de désespoir. Euh, pour la question 25, à partir de quelle perspective la narration est-elle principalement focalisée dans ce texte Donc c'est la perspective interne ou bien la focalisation interne. Pour la question 26, quel effet la focalisation interne peut-elle avoir sur la compréhension du lecteur Donc, il favorise une, une immersion dans les pensées d'Étienne l'entier. Donc, la réponse B, c'est la réponse correcte pour la question 26. Pourquoi la focalisation interne est-elle importante dans cet extrait La réponse correcte, c'est la réponse A, pour permettre de connaître les pensées intimes des personnages. La question de comment la focalisation interne peut-elle influencer l'empathie du lecteur envers les personnages. C'est la réponse C qui est correcte en permettant de comprendre les sentiments des personnages. Pour la question 29, quelle est la principale conséquence de la focalisation interne sur le récit dans cet extrait Donc la réponse correcte, c'est la réponse A. Elle renforce l'implication émotionnelle du lecteur dans l'histoire. La question 30. Quelle est la figure de style utilisée dans cette expression C'est une expression euh, d'ailleurs tirée de texte. « Sa canne en morceaux abattu comme un vieil arbre foudroyé. Donc, il y a une comparaison en utilisant le moyen « comme ». La question 20, 31. Quelle figure de style est utilisée dans cette expression C'est une expression aussi extraite, extraite dans, dans le texte. « J'aime mieux vous voir » ont porté encore quatre planches. Donc la réponse correcte, c'est antéphrase, la réponse A. Pour la question 32, quelle figure de style exprime les remords d'Étienne Lentier dans cette expression Torturé par la même pensée Donc il s'agit d'un antithèse, la réponse correcte, c'est la réponse B. Pour la question 33, quelle figure de style est présente dans cet énoncé Le sur-reproche augmenté. Donc, c'est une personnification. Pour la question 34, quelle figure de style est employée dans cet énoncé Il ne passe plus sans rencontrer des regards dans la flamme lui suivait. Donc, il s'agit d'une métonymie. Pour la question 35, quelle figure de style est utilisée dans cet énoncé La scène qu'elle attendait acheva de le bouleverser. Donc, il s'agit d'une léthote. Donc, la réponse correcte, c'est la réponse C. La question c latine, est toute qu latine. Nous allons figure de style. Je n'ai la figure de style, je n'ai l'expression. Une telle crainte, le prix d'entendre le Coran entier. C'est une métonymie. Alors, la réponse, la question 37. Quelle figure de style est exprimée dans cette expression Un baroui assourdissant. Donc, il s'agit d'une hyperbole. Oui, il y a euh, la question 38. Quelle figure de style est utilisée dans cet énoncé La flamme le suivait. Donc c'est une personnification, vu qu'on a donné une caractéristique humaine à la flamme qui est, qui est un objet. Bénice Belsoy, Alceux de Tlatine, quelle conclusion peut-on tirer sur l'atmosphère générale dans le Coran euh, à la fin du texte La réponse correcte, c'est la réponse D, une atmosphère de tristesse et de colère prévaut. Pour la question euh, 40, pourquoi le recours au discours direct est-il particulièrement efficace pour exprimer les sentiments de Mahud c'est la réponse B qui est correcte, elle permet au lecteur de ressentir directement l'émotion de Mahut. Pour la question 41, quel est l'avantage du recours au discours direct pour exprimer les sentiments d'Étienne l'entier Donc la réponse correcte, c'est la réponse C, elle permet au lecteur de ressentir directement directement l'émotion d'Étienne. Ce n'est quelle fonction stylistique est attribuée au point d'exclamation Donc la réponse correcte, c'est la réponse B, marquer une interrogation vive. Pour la question 43, comment les événements de l'extrait influencent-ils l'engagement des Lantier C'est la réponse D qui est correcte. Elle renforce son engagement en faveur des grèves et de la solidarité ouvrière. Pour la question 44, quel élément suggère la valeur littéraire de cet extrait de Germinal d'Imelzola Donc, la réponse correcte, c'est la réponse C, c'est la présence de descriptions vivantes. Pour la question dernière, comment la narration contribue-t-il à, à, à la valeur littéraire de cet extrait La réponse correcte c'est la réponse C est en faisant appel à des images suggestives et à des émotions intenses. Donc ben quelqu'un nous a la partie de la correction, celle qui est consacrée à un des textes extraits de Germinal de Emile Zola. le pour 45, il des extraits de la littérature maghrébine, mais ben ça va être fable. اللي يعني غادي يكونوا كذلك اسئله مختلفه